Nous sommes ici dans le 5e arrondissement de Porto-Novo, sur ce tronçon qui longe les quartiers Akonaboé et Doha Centre. Et ici, il est prévu des travaux d'aménagement et d'entretien d'une piste rurale. Ce jeudi 2 mars 2023, une délégation de la Direction des services techniques de la mairie de Porto-Novo et la personne responsable des marchés publics de la mairie ont procédé à la remise de site à Fades Group BTP, entreprise qui aura en charge les travaux. Aménagement, monsieur méthode IMO. Nous avons mis aménagement parce qu'il y a réalisation des dalles. Ce tronçon a été déjà aménagé une fois. Okay. C'est un marché d'un coût global de 14 587 750 francs CFA. Ça consiste à réaliser deux dalles de 100 passants, des travaux de curage, curage de fossés latéraux, désherbage, réparation d'ouvrages, réparation de barrières de pluie. En fait, la ligne de ce tronçon, ça fait 2,5 km. Et ça a une durée, la durée contractuelle du contrat, c'est un mois. Nous avons mis dans le dossier le traitement des dégradations. C'est les points à temps qui vont être rechargés en matériaux latéritiques. Ce n'est pas général, c'est pas endroit. La remise de site consiste essentiellement à des travaux des mots communément appelés route intensive de main d'œuvre. Elle sera réalisée sur un parcours de 2,5 km. Ce serait le curage de caniveau, la construction de deux dalles et autres. Une initiative que salue le chef du 5e arrondissement de Porto-Novo. La décision, elle est salutaire. Vous aurez dû constater, c'est une emprise de 15 mètres et pendant la saison pluvieuse, les riverains ont du mal à passer sur cette voie. Et voilà, le chef service de la DST vient de nous dire que la durée contractuelle c'est un mois. Donc nous exhortons l'entreprise en charge de la réalisation de prendre en compte la durée contractuelle pour faciliter la tâche aux riverains, parce que nous ne sommes pas loin de la saison pluvieuse. Mon message spécifiquement sera de demander au prestataire de rester dans le délai contractuel. On sera vraiment exigeant par rapport à ça, parce que comme vous le savez, la période de pluie s'annonce. Et le CIA l'a déjà dit dans son mot, c'est une voie et qui ne permet pas aux riverains de passer aisément lors de la période des pluies. Donc ça s'annonce, il va falloir que d'ici là, ils finissent avant que les premières grandes pluies ne commencent. Nous, on fera ce qu'il faut et on les autres vraiment à rester dans le délai. Il y a aussi le bureau de contrôle qui est là, qui aura la charge de contrôler la technicité des travaux qu'on aura à faire. Chez autres, le bureau de contrôle a été intransigeant et a nous sollicité au besoin pour qu'on puisse rester conforme au contrat et dans le délai contractuel. Rendez-vous est donc pris dans un mois pour la réception.